Hey yop tout le monde, c'est le Bouzou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fortnite Battle Royale les gars, j'espère que vous allez bien. Petite surprise de Fortnite ce matin, je me connecte. Alors, j'ai pas pu l'avoir en direct, je suis vraiment désolé. Pareil, je peux pas stream ni aujourd'hui, je vais attendre demain parce que j'ai pas encore la fibre les gars. Elle arrive demain normalement, je croise les doigts. Là c'est full pixelisé avec ma boutique 4G, tout ça, ça va pas, bref. Je préfère attendre demain pour avoir un stream de qualité. Mais du coup, comme vous savez, je suis le plus gros pigeon de Fortnite. Du coup, je me connecte forcément tous les jours pour voir s'il y a des nouveaux skins. Que ce soit sur tablette, sur téléphone ou sur mon ordi, je me connecte tous les jours, ça c'est sûr. Et puis du coup, j'achète les nouveaux skins, les nouvelles danses, tout ça, tout ça. Et là, ce matin, petite surprise de Fortnite pour les anciens. En tout cas, je l'espère. Parce que Fortnite, ça nous fait extrêmement plaisir quand vous nous remerciez les anciens, par exemple, avec le skin squelette. Vous savez, le skin squelette, Skull Trooper ou je sais plus quoi, il est ressorti. Et pour ceux qui l'avaient déjà, ils ont mis une nouvelle couleur violette. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois qu'ils ressortent le même skin qui est sorti un an auparavant, ils donnent une petite, un petit truc en plus, un petit, voilà, un petit modification de style pour les anciens. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait un an que tu l'as. Enfin, c'est pas pour être égalité avec des gens qui viennent de l'acheter maintenant et qui ont commencé le jeu il y a 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Bref, du coup, je me connecte ce matin et nouvelle surprise pour ceux qui avaient acheté le skin pain d'épices. Vous vous rappelez du skin pain d'épices à l'époque? Il y a maintenant un an, je pense. Je sais pas s'ils vont le ressortir. Je pense qu'ils vont le ressortir. Mais du coup, ils nous ont mis des petits trucs en plus. Donc moi, je me connecte dans la boutique, je me dis, bah c'est forcément qu'ils ont mis le nouveau pain d'épices, mais pas du tout. En fait, ils ont remis les skins ski, voilà. Mais je les avais déjà tous. Pareil, j'ai pas eu de surprise. Hein. Je les avais déjà tous, je les avais achetés, je m'en rappelle encore, putain. C'était pour la coupe, non pas pour la coupe du monde, mais pour les JO en Corée. C'était pour ça, ils avaient ressorti les skins. C'était il y a un an tout pile. Pareil pour les femmes, j'avais tout acheté, les gars, voilà. Et ensuite, ici, j'avais déjà tout, ok. Et la surprise les gars, je vous la montre, il y en a deux, enfin il y en a plusieurs mais c'est sur 2 skins. Donc le skin pain d'épices que je vais vous montrer, il est violet, j'ai le homme, j'ai le femme. Alors attendez, le femme il est là, tac, le skin femme. Donc on peut maintenant modifier le style, voilà, avant on pouvait pas, tu l'avais comme ça en femme, voilà, il était fourni comme ça. Et maintenant les gars, nouvelle surprise, on peut le mettre soit en mode gentil, donc le skin de base, soit en mode méchant comme ça, donc les deux trucs, soit en mode gentil cramé. Donc là, c'est stylé ce qu'ils ont fait. En gros, tu fumes genre comme si t'étais resté trop longtemps dans le four, en gros. Ou alors, méchant cramé. Voilà. Alors, je sais pas c'est lequel vous préférez, mais en gros, si tu mets le mode cramé, ça fait genre t'es un ancien, parce que le skin, ils l'ont pas encore ressorti. Donc franchement, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Et aussi, pour le skin masculin, que je vais retrouver dans quelques secondes, je pense... C'est quoi ce skin là, les gars? J'ai dû l'acheter dans la boutique une fois, je m'en rappelle plus. Ah, il est là, putain, il est là, enfin, c'est bon, il est là. Ok, le gentil maraudeur, modifier le style. Pareil, tu l'as en méchant comme ça, en gentil, en cramé méchant et en cramé gentil. Moi, je le mettrais en cramé gentil, trop stylé. Hein, il est pas mal, il est pas mal. Voilà. Ensuite, concernant le pain d'épices, qu'on a eu aussi, qu'est-ce que j'ai eu aussi? Le nouveau sac à dos, un nouveau sac à dos qui doit être le maraudeur Rikiki, voilà. Donc, par exemple, putain, le con, j'ai oublié. Je vais mettre la femme, de toute façon, je préfère la femme parce qu'elle est... plus fine. Je préfère toujours les skins femmes. Enfin, très souvent. On va prendre la femme en mode, je sais pas, en mode cramé peut-être. Comme ça. Et on va mettre le sac. Maraudeur et Kiki. Vous montrer ce que ça donne. Mais ça, normalement, vous l'avez pas, ceux qui l'avaient pas acheté il y a un an. Voilà. Pourquoi pas. Et ensuite, le deuxième petit cadeau, les gars, c'était par rapport au skin casse-noisette. Si je dis pas de conneries, dites-moi, rectifiez-moi dans les commentaires si je dis des conneries. Mais par rapport au skin casse-noisette, le premier skin légendaire, vu que c'était le premier skin légendaire, tu te sentais un peu obligé de l'acheter. Tu dis, ouais, j'ai un skin légendaire, ouais, 2000 V-Bucks, ouais, ouais, ouais. Mais on va pas se mentir, le skin est vraiment dégueulasse, il est horrible, il est tout ce que tu veux. Et en fait, je crois que c'est par rapport à ce skin-là, ils ont sorti un petit sac à dos légendaire. C'est celui-là. L'oiseau de bois. Parce qu'ils mettent défendez-le bec et ongles fait partie de l'ensemble casse-noix. Donc je me dis que c'est ça, non? Donc voilà. C'était les deux petites nouveautés de la journée. Et bien sûr, ceux qui n'avaient pas les anciens skins ne pouvaient pas savoir parce qu'ils n'avaient pas eu la notification, forcément. Je tenais à vous tenir au courant. Si cette petite vidéo vous aura plu, un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et puis moi, je vous dis à demain pour un nouveau live. Enfin, avec la fille, putain, j'ai hâte. D'ailleurs les gars, la vidéo sur mon nouvel appartement est sortie, je vous mets le lien en description, c'est sur ma chaîne principale. Peace.